Callao et 3. Toujours annoncé là-bas, non? Ok, sur la gauche, mais elle est surtout magnifique. Belle balle. Alors voilà, je suis vraiment ravi d'accueillir sur la chaîne donc Pierre-Antoine, pro de golf quand même, et sa compagne Audrey. Une occasion de vous montrer que le golf est une activité, un sport de couple. Donc vont-ils s'aimer sur le parcours? Vont-ils se détester sur le parcours? Ce sera toute l'intrigue des feux de l'amour de Je vous emmène golfer au golf de Chantilly. Audrey, elle est super positive sur le parcours. Ça, c'est bien. Joli! Belle balle! Alors voilà, nous voici sur le parcours de Chantilly, en route pour un 18, on est sur le trou numéro 1. Audrey et Pierre-Antoine attaquent le parcours. En choisissant toujours la meilleure balle. Beaucoup de vent aujourd'hui, hein, on est en fin de tempête, donc ce qui va compliquer les choses. 92 mètres. Ouais, vent avec. Petit coup de 52. 3 quarts. Du coup à gauche. Je lis. Oh là 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 là. Oh, magnifique. Belle balle ça. Ouais. Un chouï derrière, ouais. Ça aussi c'est magnifique. Alors plus court, ouais. Mais du coup vous avez une balle sur le green. Bravo. Regardez comme c'est joli. Un couple golfeur. Toi, tu peux être en premier, non? Petit pitch. Quand on sait pas, on va tout droit. Ça, c'était tout droit à gauche. Tout droit à gauche. Ouh. Yes. Joli. Au moins, j'ai pas la pression du pas suivant. Nous voilà sur le trou numéro 2, donc il s'agit d'un par 5 de 477 mètres. Le drapeau est tout là-bas, là-bas, là-bas. Vent est favorable? Vent favorable. Large fairway. Oh, cette claque, absolument magnifique. Plein milieu de fairway. Bon, sur ce genre de trou qui est assez large, tu risques pas beaucoup de choses, tu risques pas grand chose, même si tu tapes un deuxième coup au bois. Ouais, un truc qui pousse suffisamment. Qui pousse suffisamment, en plus il y a le vent avec. Mais toujours avec l'idée d'être d'enchaîner le fairway. Exactement. Juste, t'as une idée là de combien tu tapes la balle que tu as tapée? Dû partir à 270 mètres total, je pense. Joli. Chapeau, c'était magnifique à voir. En moyenne, je carie à 230 mètres et en total à 270. On regardera tout à l'heure avec la jumelle pour avoir l'indication précise. Ton index, juste pour... Avant de passer pro, j'étais 3 d'index. Ok. Et après, une fois que tu es pro, il n'y a plus d'index? Il n'y a plus d'index. D'accord. On a plus d'index. Donc, c'est pour ça qu'on voit sur les cartes de score, les pros qui font des compétitions, on voit qu'il y a marqué pro, mais il n'y a plus d'index sur la carte de score. D'accord. Alors... Joli, plein fairway. Elle est belle. Très jolie. Est-ce que j'arriverai à mettre une petite musique, les feux de l'amour? Un couple au golf. Je vais faire une vidéo alternative. Ouais, voilà. On va se la faire en roman. Un petit roman. Un roman à bulles. On s'embrasse que si on fait birdie, en fait. Exactement. Ah, d'accord. Voilà. Alors, chaque birdie, c'est on challenge. A le droit à un bisou. Voilà. D'accord, ça marche. Beau challenge. On a déjà raté le premier. Mince. Et deux bisous pour un eagle. Hein. Alors, je vous souhaite 15 birdies et 2 eagles. Voilà, parfait. Allez, revenons au jeu. Pierre-Antoine a tapé une balle qui est rentrée presque 135 mètres, ce qui veut dire que lui, logiquement, le green est atteignable en 2. Absolument magnifique comme balle. Merci. Joli. Peu sur la droite, position pour faire une belle approche. Placé, ouais, pour faire une approche, elle est en jeu. Stratégie du pro là, à l'attaque. Atteignable, hein. Oh là 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 là.
sur le green. Merci. Magnifique. Donc, quand t'es en... Là, on est sur un par 5. Oui. Donc, t'es pas en régule, là. T'es en... En plus que régule, là. Régule plus 1. Régule plus 1 ? D'accord. Mais ça comptera dans les statistiques, ça compte quand même comme une régule. D'accord. Absolument magnifique. Alors, je vous souhaite... Les deux bisous. Deux bisous. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est très joli. Juste, tiens, pour le plaisir de jouer, j'ai pas fait de vidéo féminin. Donc, le plaisir que j'ai de jouer également avec toi, pour cette raison, et de jouer avec vous en version couple. Le sport, le golf, un sport de couple. Vise à gauche. Ouais, un petit peu. Ça monte quand même. Oui, ah. Oui. Oh là là. Joli birdie donné. Merci. Très joli votre birdie collectif. Merci. Votre birdie d'équipe. Non, parce que psychologiquement, tu as un rôle important à jouer dans le mental du pro. Soutien psychologique. 295 mètres par 4. On est un petit peu avancé, je pense qu'on est en gauche. Ouais. On doit être au départ. Ah oui, on est avancé. Proche, allez, 250 mètres. Alors 250 mètres avec une particularité, vous avez la cuvette qui se trouve là en bas et tout le fairway là qui fait une boucle ici, dogleg gauche, le trou étant derrière les arbres là-bas. Allez, on scramble. Là-bas. On se le tente. 250 mètres vont avec. Viser un petit peu à droite quand même. Oh, mais ça va sur le green quoi. Elle va être un petit peu à droite. Top. Non. On est trop à côté du green. Non mais elle va. Si elle est pas sur le green, elle est sur le bunker ou devant le bunker. Elle est devant le bunker. Oui, ils ont comblé le bunker. En fait, je vais réintituler la vidéo par on ne pratique pas le même sport. Mais tout ça parce que j'ai une nouvelle technique d'alignement qui me change ma vie de golfeur. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, allez regarder quand même la vidéo sur les alignements. La vidéo qu'on a fait avec Pierre-Antoine chez G-Swing. L'organisation autour de la balle. Et vraiment, mais je m'entraîne sur le carrelage. Il faut, tous les jours, je fais un petit entraînement de carrelage quand même. Bah, j'ai fait le test à des élèves à moi qui viennent de débuter le golf. Ouais. Je leur montre l'exercice, ils ont rigolé en me disant « Oh non, mais ça c'est trop facile. » Bah, au final... Il y en a d'un quart d'heure, ils n'y arrivaient toujours pas. Ah bah, mais c'est pas simple de s'aligner correctement, je l'ai découvert quand même. Exactement. Alors, à Audrey ici, voilà, vous voyez, on a la vue là-bas, le green qui se trouve là. Joli. T'es placé avec moi, ah, tu passes la butte là-bas, non, t'es redescendu. Donc, tu vas être bordure fairway, encore... Bravo pour cette balle que tu as claquée. Alors, tu as attaqué au drive. Est-ce que tout seul, on t'aurait mis un drive? Je t'ai vu hésiter en fait. Tout seul, j'aurais visé la partie droite avec un petit coup de bois 5 pour me placer et pour qu'il me reste un coup de 50-60 mètres. D'accord. Là, j'ai pris un peu plus de risque sur ce trou. On est là pour s'amuser. Donc, j'ai vraiment attaqué un peu plus parce que là, on est en scramble. Et chez Caudry, drive bien. Tu savais que tu as une chance d'être sur la piste. Exactement. Tu vois, tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression, mais non, tu as un rôle essentiel. Sans toi, il n'aurait jamais tenté ce coup. Alors, et là, ça se trouve, c'est trou en un, la balle est dedans. Non? Alors quand même, par acquis de conscience. Elle est où, ma balle? Non. Oh. Aïe, la petite gratte. Ouais, super, bien joué, ça. Heureusement que t'es là, hein. Bravo. Il nous a sorti de la catastrophe. Là, c'est dedans. Ouf. Ah, elle tourne à la fin. Moi, magnifique. Beau birdie. Rebisous. Le deuxième. Alors là, oui, vous êtes à... Ah oui, d'ailleurs. Donc du coup, vous êtes à moins 2. Ah, c'est beau, l'amour. Moins 2. Trou numéro 4, un par 3. Alors j'ai 147. Ouais, ça doit être ça, je pense. 148 au drapeau. Et par 3, plus compliqué quand même. Hein.
c'est absolument magnifique. C'est posé sur le green. Tac, sur le green au drapeau. Juste pour info, quel club ? J'ai tapé un fer 8. À 140 mètres, je tape un fer 8. Il m'a dit qu'il y avait 148 mètres, il y a un petit peu de vent avec. Ouais, ça souffle pas trop fort non plus, donc la balle elle est quand même un peu portée. 114. Joli. Allez, monte. Allez, belle. Allez, juste devant le green. Mais très belle balle. Tu joueras en individuel, que tu pourrais te dire, c'est un très beau coup. Je tiens à le dire sans flagornerie, et se met un swing élégant. Pierre-Antoine et Audrey sont magnifiquement placés, comme vous pouvez le constater. Pardonnez, moi je donne le par. Ah ah, cours aussi. Yes, joli part, très joli part d'équipe. Exactement. Voilà, trou numéro 5, un par 4. Les départs sont avancés, donc on doit être à 320 mètres. Une série de bunkers qui se trouvent devant. J'imagine que pour toi, ils ne sont pas un danger. On verra bien. Oh, 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 oh. Ah, t'es même allé loin là, non ? Elle est restée trop à droite. Je pensais qu'elle reviendrait avec le vent. J'imagine que vous êtes tout comme moi intrigué. Vous avez vu sur le chariot, le sac avec la dernière marque tendance. On ira regarder tout à l'heure. On ira regarder en secret tout à l'heure les clubs de Pierre-Antoine pour savoir avec quoi il envoie des mines. C'est lié au joueur ou c'est lié au club ? Ah, un peu des deux. Je sais même pas si les clubs, je te file les miens, tu fais pareil. Enfin, pareil. Pas sûr. Parce qu'il y a vraiment après un équilibrage au niveau des manches. Il y a tout un travail. Tu les as fittés, tous les clubs sont fittés. Et dans la structure chez G-Swing, je fais vraiment que du fitting. Je les ai reçus hier, donc je me suis fitté une série de clubs en faisant attention au point de torsion du manche, au poids du manche, à la rigidité du manche. Au torque du manche aussi, donc le fait que le club se torde sur lui-même, tout ça c'est calculé pour avoir un maximum de performance. Et là, qu'on soit 54 d'index ou qu'on soit à très bon joint, c'est important d'avoir des clubs adaptés à sa morphologie et aussi à son swing de golf. Audrey. Ah. C'est en jeu plein fairway. C'est pas la plus belle balle du moment, mais elle est placée. Elle est en jeu, elle est placée. Ça touche un peu l'épaule. Passez là. Alors moi je m'attendais à un juron, tu m'as dit la caméra, attention, je veux pas de micro parce que. Et là dans ta tête, ça a été quoi le. C'est en jeu, donc pour rester quand même objectif. C'est ça. C'est pas une balle perdue. Donc là, Pierre-Antoine sort pour la première fois sa série personnalisée, fitée. Tes premières sensations alors ? Un très bon ressenti. Moins 2, tu peux pas dire que c'est moyen. Moins 2, bah, j'ai tapé pour le moment 2 coups de fer. Le coup de fer sur le par 3 et puis le coup de fer sur le par 5. Pour le moment, j'ai un très bon ressenti avec, des très bonnes trajectoires. On va voir si ça dure dans la partie. Allez, revenons à la partie. Joli. Super. C'est bien. Il nous fallait un coup assuré. Ouais, oui. C'est sur le green, c'est assuré. Exactement. Joli, ça va être long, non ? Ah ! Une carrière de green, ok. C'est techniquement très joli. Ouais, c'est joli ça. Bien petit. C'était la bonne pente. Hein. Oh là 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 ! Ah, faut pas être court.
On se retrouve au trou numéro 6. T'as volontairement choisi une trajectoire balle basse. Trajectoire balle basse. J'ai enfoncé un peu plus le tee dans le sol pour jouer sur le retard de balle. Vent de face, oui. Et en restant sur un finish un peu plus court. Joli. Très joli, Audrey. Bon drive. Je crois que c'est ta balle qui va être en jeu. Allez, l'équipe Scramble qui joue. Audrey a fait une magnifique balle. Donc je rappelle les scores. Moins 2. Joli travail collectif. Tentez la tentée. Ah. Là-bas. En jeu. Oh là 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 là. Ah, c'est trop court. Entrée de green. C'est un 4 ou un 5 celui-là? Bois 5. Non, mais le trou, pardon. Ah, ça, c'est un par 5. Un par 5, oui, c'est ça. Donc, vent de face super fort en deux coups. En deux, on est juste devant. Ouais. Entrée de green. Absolument magnifique. C'est honnêtement un énorme plaisir de voir très très bon joueur. Donc, Pierre-Antoine, pro de golf. Et taper des coups absolument splendides. Vraiment. Je viens de recevoir un message des abonnés qui réclament un nouveau birdie. Ça fait quelques temps qu'ils n'en ont pas vu là. Bah écoute. C'est sur le green, c'est joli. C'est pas mal celle-là, non? Touche. Voilà, ça fuse. Le piège du vent là. Ouais, j'ai oublié la donner. Ah, donné pour part. Oui, 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 c'est donné. C'était donné pour part. T'as pas pris ton temps. Non, non, non. Un coup de gâché. Ah. Oh là 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 là. Tombe, tombe, tombe. Alors elle freine avec le vent. Allez, hein. Bien. Joli. Beau drive ça. Beau drive. Oh, elle revient. Elle est belle. J'ai même pas vu où elle allait. Je suis entrée de green. Entrée de green? Et j'ai pris la marge 40 mètres de plus. Ouais. Et tu t'es arrêté avec le vent? Elle s'est arrêtée avec le vent. Il y a quand même beaucoup là. Ouais. Il y a beaucoup de vent. Joli, après ça tourne. Ah, bunker. Ça c'est pas bien. Oh là là. Ouais. Magnifique putt quand même. Voilà, donné. Il a tourné devant le trou. Il a annoncé quoi en distance? 105. 105? Avec tempête avec de vent. Beaucoup de vent. Pour rajouter 30 mètres là. Ça c'est trop à droite ça. À droite. Bon après c'est resté. Ah. Non pas sur le green mais à l'approche du green. Tu veux y aller ou j'y vais? Je vais y aller. Vas-y. C'est pas mal. Du green. C'est pas mal du tout. Quasi donné.
Oh, joli, allez, concours de putt. Joli, joli part. Ça, ça vaut part. Ah non, mais allez, maintenant. Très joli jeu, c'est les fêtes, ces nouveaux clubs. Des trous. C'est ça. La chance du débutant. Oh là 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 là. Dingue, dingue, dingue. Eh ben celle-là. Ah ouais, ouais. C'est pas super simple de tenir une stratégie de jeu, de jouer dans ces conditions, mais alors quel bonheur c'est de jouer avec Pierre-Antoine et Audrey, parce qu'il y a des deux côtés d'un très très beau jeu. Et mais non, non, non. Ah oui, ça sort un peu. Ok, c'est sorti un peu du fairway. C'est la première en 9 trous où tu sors du fairway. Jusqu'à maintenant, j'aurais pu t'appeler la métronome. Allez, on va aller voir le coup numéro 2. Et la difficulté de ce trou, c'est la rivière au fond. La rivière juste avant le, ah ouais. Juste avant le green avec un petit bunker. Bunker qui défend le green, le plus le vent, plus la rivière. On va voir ça. 102. Et tu rajoutes au moins 30 mètres là. Combien tu as là? 102. 102 ah ouais. Ça me paraît énorme. 130. Ouais, mais c'est ça, hein, les balles s'arrêtent. Peut-être tu peux rajouter 30 mètres. Hein. T'as pris quoi? Pierre 6. Ouais, tu vas voir. Vas-y. Et green? Regarde. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, sur ce trou-là. En mettant 3 clubs de plus. Sur ce trou-là, c'est pas mal, hein. Oh, joli, dans le ciel. Milieu, oui, milieu arrière de green, même. Ça, c'est dans le trou, ça. Oh, joli, 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 joli. Oui. Magnifique. Absolument magnifique. Magnifique putt, ça. On retrouve le chemin des bisous. Ah ouais, mais il y a de quoi, il y a de quoi. Le bisou des birdies. Ah, très joli, très joli. À voir, vous êtes moins 3. Moins 3. Moins 3 sur l'allée. Donc ce qu'on va faire là, on va clôturer cette première partie de vidéo. Je vais ranger un peu la caméra. Et puis je vous dirai à combien Audrey et Pierre-Antoine termine le retour, termine le parcours.